okay. It was tough to get up today. Tougher because there's a lot of people in the stairs, security stairs, so that's why. Usually it's pretty calm, but today, I don't know why. So, but the view, it's worth it. Moi, je vais monter en premier. Je vais t'expliquer comment on fait pour monter. Et ensuite, tu monteras et tu me rejoindras directement sur le toit. Donc l'idée, c'est un peu compliqué. Il faut que tu montes, tu vas rentrer dans la tour. Tu avances tout au fond du lobby à gauche. Il y a les ascenseurs. Il faut que tu sois très naturel. Il faut que tu aies un air naturel client de l'hôtel. Une fois arrivé au fond, tu rentres dans l'ascenseur. Il faut que tu ailles 36e étage. Tu verras, c'est le seul qui est accessible. Tous les autres sont inaccessibles sans la carte de membre de l'hôtel. Une fois arrivé au 36e étage, tu sors, tu vas au fond du couloir, le plus au fond que tu peux. Là, il y a les escaliers de secours. Tu arrives dans la cage d'escalier de secours et tu montes à pied jusqu'au dernier étage de la tour. Tu montes tout à pied, tu vas te taper 12 étages. Et une fois arrivé en haut, tu verras, il y a une porte vitrée. Si tu entends des bruits, il faut faire attention de ne pas te faire attraper. Une fois arrivé en haut, moi, je t'attendrai sur le toit. Donc, tu auras une porte vitrée, tu ouvres la porte vitrée et puis là, je serai là et puis on avisera. Ok? Alors, comment j'ai découvert l'endroit? J'ai essayé, j'ai vu la tour, j'ai tenté de monter, j'ai essayé l'étage le plus haut qui était accessible. Ensuite, j'ai tout fait à pied jusqu'ici et trouvé le toit. C'est quand même une vue assez sympa, que ce soit downtown, midtown derrière, donc ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que je faisais? Généralement, je profitais de la vue. Parfois, j'allais même chercher un sandwich et puis je le mangeais en hauteur, c'était plutôt cool. Pourquoi j'ai fait ça? Je pense que c'était pour le plaisir d'accéder à des endroits dans lesquels les autres ne vont pas. Et puis surtout, ça s'est vite transformé en une possibilité de faire des photos originales et des photos différentes. En fait, c'était surtout ça rapidement. Le premier grand building, c'était Times Square ou le Hilton ou certaines tours en bas des hôtels qui sont beaucoup plus hauts. Et Times Square aussi, c'est sympa, les écrans, etc. C'est plutôt cool. De nouveau une petite vidéo, puisqu'en arrivant en bas, je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas exactement au sommet, j'étais à un écran du sommet, donc je suis remonté, hein, comme on dit. Première fois, je me suis senti nerveux, c'est sûr. Enfin, en fait, je me sens nerveux à chaque fois même. Je me sens nerveux à chaque coup, mais justement, ça fait partie du côté sympa. Quand j'ai fait des autres buildings où c'était plus ou moins autorisé et où il n'y avait pas de risque, et il n'y avait pas de risque de se faire prendre, même si la vue parfois était aussi belle, ça n'avait pas la même saveur, puisque quand tu fais quelque chose, là, ça fait le parquet interdit, ça fait partie du trip, quoi. Ça fait vraiment partie de ce qui rend la chose originale et sympa, quoi. Faire la même chose dans un observatoire ou dans une tour où on a payé son billet pour monter, c'est marrant aussi pour la vue, c'est sympa, mais ça n'a pas le même charme du tout. Petit pas, petit pas, petit pas. Ça aurait dû me donner l'envie d'arrêter, mais ça m'a pas donné l'envie d'arrêter. Donc voilà, je continue. J'ai souvent très peur, mais c'est ce qui fait que c'est marrant. C'est un peu l'adrénaline, c'est ce petit moment de frisson où on a peur, et puis au final, quand on arrive ici, on oublie tout. Regarde la couchée de soleil qu'on est en train d'avoir. Bon, ça vaut le coup de prendre un peu quelques risques quand même.